La filière elle s'appelle Newsroom, mais moi j'aime bien l'appeler écriture numérique. Pourquoi? Parce que dans écriture numérique, il y a écriture tout simplement, donc il y a quand même les bases de la bonne rédaction journalistique qui vont pas de soi. C'est quelque chose d'un savoir-faire assez complexe, assez solide et qu'on cherche à renforcer. Je ne savais pas du tout quel spé je choisirais avant d'entrer au CFJ, donc je ne savais pas plus si je prendrais télé, radio ou presse écrite, même web. Les trois m'attiraient et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi Newsroom, c'est que c'est la seule spé qui me permettait de toucher un petit peu à l'image, au son et à l'écrit. On doit faire des blogs, du coup en fait on s'exerce sur ces blogs bah, notre écriture, à essayer de travailler le multimédia en essayant d'insérer de la vidéo, en essayant d'insérer des sons pour créer du contenu innovant et attractif. Le programme de la majeure a aussi été conçu pour développer cette agilité intellectuelle qui permet, comme pour tout bon journaliste, de trouver les bonnes histoires, les bons sujets, les bonnes façons de les raconter, mais aussi d'accepter à la sortie d'école, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, de se rendre compte que tout ce qu'on leur a enseigné est déjà obsolète, mais que c'est pas grave, c'est comme ça, c'est les médias, c'est le bouillonnement du numérique, et qu'ils seront outillés pour accepter le fait qu'il faut s'adapter en permanence aux besoins qui sont ceux des lecteurs, tout simplement.